Ya YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeunes gens, pour le 4e épisode de notre aventure sur Undertale FR, toujours en compagnie de Kazma l'exploratrice. Juste à côté de moi se trouvait Sense, sauf que malheureusement, en fait, quand je fais mon intro, puisque j'ai besoin de mes deux mains, je mets ma manette sur les genoux. Le problème, c'est que j'ai appuyé sur la flèche de droite et je suis allé sur le plan de droite. Et en voulant revenir pour faire mon intro au bon endroit, Sense avait disparu, ainsi que Papyrus qui avait disparu à la fin de l'épisode 3 et les traces de pas. Du coup, il n'y a plus de signes de leur première énigme qui était apparemment compliquée, sauf que ma foi, je l'ai trouvé fort simple. Il y a un truc qui est marrant avec ces deux frères squelettiques, c'est que déjà, ils sont réellement opposés l'un de l'autre. T'en as un qui est très dynamique, là où l'autre est très feignant. T'en as un qui est petit, là où l'autre est très grand. T'en as un qui est classe, là où l'autre est... classe aussi, en fait, dans l'idée du personnage, mais je suppose qu'il est censé être un peu sale, un peu pouillé, vous savez, celui qui ne sort jamais de chez lui. Attention, je ne vise personne, calmez-vous dans les commentaires. Par contre, jeunes gens, j'enchaîne cet épisode à la suite du 3e, ce qui veut dire que je n'ai pas eu vos retours. On fait toujours la route neutre pour les personnes que ça intéresse, et du coup, nous poursuivons la suite de notre aventure. Il y avait un vendeur de hot dog avec une coiffure de poulpe, pourquoi pas. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça ne se vend pas. C'est pourtant le temps idéal pour une sucrerie glacée. Alors, il neige. Pour moi, c'est pas bon. Oh my god, de la clientèle! Bonjour, une glace chantilly. Gentille? C'est pour être gentil? Écoute, oui, j'ai 42 PO, j'ai 4 places dans mon inventaire. Ah, oui, c'est vrai. Parce que je me disais en épisode 3 que c'était bizarre qu'on ait un coffre pour stocker, alors que notre inventaire était peut-être infini. Bah du coup, non, parce qu'on a que 8 emplacements. Ok, c'est bon de le savoir. C'est la douceur qui réchauffe les cœurs. C'est vrai, c'est une psychologie inversée, ça peut marcher. Et j'ai 15 PO. De toute manière, je ne fais rien de mon argent. Donc tiens, et voilà, passe une super journée et vous obtenez la glace gentille. Voilà, je suis content et visiblement lui aussi. La glace gentille, c'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 15 PO. Eh bien, va donc dire à tes amis qu'il y a des glaces en plein milieu de la forêt. Ok, bah écoute, moi j'ai ma glace, hein, ça me va. Niveau point de vie, on est à 25 sur 36, on n'est pas trop mal. Au pire, on peut essayer d'éviter le combat si jamais. Alors, seconde énigme, si tout va bien, dans l'épisode 3, à la fin, on a fait l'énigme de Papyrus. Et du coup, aujourd'hui, on fait celle de Sense. Je suis désolé, j'ai encore du mal entre les noms des personnages. Et du coup, il y a un balloon. Il y a une sorte de balloon copique. C'est une technique de déplacement casmien. Le Nindo casmien. Ok, il y a Sense ici. On a un balloon là, on a de la glace ici. Ok, il y a trop d'éléments pour moi. Qu'est-ce que c'est? Trop bien. C'est une réelle physique. Je pensais que ce serait un truc tout simple, moi, genre... Non, c'est une réelle physique, c'est trop badass. Par contre, oh non, elle est en train de fondre. Oh non, reviens. Attends. Oh, c'est un golf. Non. Attends. Attends, me dis pas que je dois la mettre dans le trou avant qu'elle fonde. Bordel. Non. Là, je suis dégoûté. Il y avait un trou. Oh, la voilà. Attends. Kazma, il a vu ça. Maintenant, il peut plus passer à côté. Ok. Calmos, les gens. Je suis sûr, en plus, que je suis en train de faire une bêtise. Hein. Ça se trouve, je vais envoyer la balle... Enfin, le... Oui, c'est une balle de golf. Ça se trouve, je vais l'envoyer dans le trou d'un lapin, d'un Kazma innocent au possible, et qui va m'insulter. Non, c'est bon. Tout va bien. Ok. Vert, vos soins intentionnés envers la balle vous ont mené à une délicieuse victoire. Vous obtenez un PO en récompense. Trop bien, et ça, c'est quoi? Et ça, c'est une balle, mais immobile. On dirait une boule de neige. En réalité, c'est un décagone. C'est quoi un décagone de neige? Qu'est-ce qu'un décagone de neige? Je ne sais pas ce qu'est un décagone de neige. Attends. Sonne s'il était totalement à l'opposé il y a 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais... Moi aussi j'ai envie de me lancer dans le business des friandises. De la neige grillée à 5 PO, ça te tente? Pourquoi pas? J'ai dit 5 PO, je voulais dire gugugu. Non, t'as raison, c'est toujours pas assez. Quoi? Attends, t'es sérieux? Attends, j'achète. J'ai dit 5 PO, je voulais dire 50 PO. Vraiment? Et pour 5000 PO? 50 000 PO, c'est ma dernière offre! Hein? Tu n'as pas l'argent? Hé!
C'est pas grave. Je n'ai pas la neige. Mais... On se moque de moi dans ce jeu, c'est incroyable. Oh, trop bien. C'est des commandes dog. Quoi? À lui. À elle. Échelle de danger olfactif. Odeur de neige, bond de neige niveau blanc. Peut passer au niveau jaune. Odeur non suspecte. Chou en niveau bleu. Odeur de roulade. Odeur étrange, humain niveau vert. Détruire à tout prix. Ok. Question, comment je fais du bruit? Moi, je veux bien... Enfin, je veux pas spécialement me battre, les gens. Je veux juste savoir comment faire certaines choses. Ce jeu est une énigme, en fait. C'est génial parce que, tu vois, c'est intriguant. T'as toujours envie d'en savoir plus. T'as envie de tout faire dans le jeu. Et du coup, tu vas à gauche, à droite. Tu vas totalement à l'opposé de l'objectif. Mais en même temps, tu comprends pas ce qui se passe autour de toi. Il y a plus d'énigmes qu'il y a de réponses. Humain, j'espère que tu t'es préparé pour... Sense, où est le casse-crâne? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'échapper à celui-là. Nani? Sense! Il n'y a même pas jeté un œil! Oups. Je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés de ce matin. Hein? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que tu dis ça. Pour moi! Les mots mêlés sont de loin les plus durs. Ils ont une querelle entre frères, c'est incroyable, genre c'est ridicule au possible. Hein? Mec, t'es sérieux? Ce mélange de mots super facile, c'est pour les bébés squelettes ça. J'y crois pas. Humain, résous cette dispute! Quel est le plus dur? Mots mêlés ou mots croisés? Mots croisés... Attends, je suis pas sûr. Faut que je vérifie un truc. Les mots mêlés, c'est comment? Parce que je confonds les deux, en fait. Ok, alors c'est clair, les gens. Selon moi, les mots croisés, c'est largement plus dur. En tout cas, j'ai jamais fini de mots croisés de ma vie, alors que des mots mêlés, j'en ai fini plein. Vous êtes sacrément bizarre! Les mots croisés sont si simples. C'est la même solution à chaque fois. Je me contente de mettre un Z à chaque case. Mais non, mais... En partant de ça, oui, tout est facile, hein, parce qu'à chaque fois que je vois des mots croisés, je ne peux pas m'empêcher de ronfler. Papyrus, il est un peu... Enfin, je veux dire, à côté, Sense, il est totalement lucide. Je pense que c'est ça, en fait, l'idée. Ils sont tellement opposés que Sense, il a tous les défauts. Par contre, lui, il est lucide. De l'autre côté, Papyrus, il a une case qui débloque. Et du coup, ça, c'est quoi? Mots mêlés des petits monstres. Ok. Eh les petits monstres, vous pouvez m'aider à retrouver les mots? Comment je fais? Eh attends, je vais essayer. Attends. Avec la souris peut-être? Attends, si je trouve un mot par exemple, si je trouve, je sais pas, monstre, est-ce que je vais pouvoir le résoudre ou pas? Attendez, je suis intrigué, jeunes gens. Voyez ma souris? Pas de panique. Pas de panique, pas de panique, je cherche les M. Non, 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 non. Bon, bah écoute, je suis un peu dégoûté, parce que c'était enfin, c'était sympa comme truc, j'aurais voulu essayer, moi. Ok, attends. Savoir que la souris pourrait être un jour trouver un moyen de réchauffer les spaghettis, cela vous emplit de détermination. Je sais pas si c'est censé être philosophique en fait. À chaque fois qu'on a un point de sauvegarde, c'est particulier. Mais oh, il y a encore la souris. Oh, c'est pour ça qu'il parle de ça. Voilà. Petit moment marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une note des spaghettoches et un micro-ondes. Est-ce qu'il faut lire la notice pour savoir comment fonctionne le micro-ondes pour y foutre les spaghettis? Non, parce que là, je... C'est un plat de spaghettis gelé. Tellement gelé qu'il est collé à la table. D'accord. C'est un mot de Papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Tu ne te doutes pas que ces spaghettis, en fait, est un piège. Créé pour t'abattre, vois-tu.
toute ton attention sera tellement concentrée sur ta dégustation que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Une farce réussie du plus grand, le plus grand, Papyrus. Papyrus. Ouais, alors c'est un micro-ondes débranché. Ah, tous les réglages indiquent spaghetti. C'est un plat de spaghetti gelé, tellement gelé qu'il est collé à la table. L'idée, ce serait de prendre les spaghettis et de les... J'ai pas compris. Non, moi j'ai pas compris. Attention, mariage de chien. Ok. Je suis censé paniquer ou comment ça se passe? What? Nani! Combat! Oula! Ok. Il y a la tête de carotte et il y a cette chose. Carotte glacée apparaît et Jerry est venu aussi. Ok. Bonjour Jerry. Vous et les autres monstres, laissez tomber Jerry dès qu'il y a le dos tourné. Ok, donc il s'est barré, pas de problème. Et oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ok, pas de panique, c'était facile. Du coup, on fuit. Vous avez fui, pas de problème. Ok, on analyse petit à petit les gens, hein, c'est pour ça. Il y a des pi... Nani ? Nani, 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 nani ! C'est une carte ? Mais non. Attends. Dégagez-moi tout ça ! Dégagez-moi tout ça, je veux comprendre ce qui se passe. Alors attends, si tout va bien, je suis censé être là. Attends, parce que là c'est le bordel. Là c'est clairement le bordel. Et voilà. Vous voyez assez bien les gens ou pas? Parce que moi ça devrait aller... What? Évidemment, je me fais attaquer 3 heures plus tard. Oh mon dieu! Il est trop pas beau. Fuir! Je me casse. Sans déconner, c'est génial! C'est génial, je suis en train de me faire une route pacifique sans le vouloir les gens, hein. C'est incroyable. J'ai dit route neutre, calmez-vous. Donc, normalement je suis là. Donc ça c'est la prochaine zone. Apparemment il y a un truc là. Ça doit être le mariage de chien, je suppose. Mais du coup pourquoi cette carte? Si c'est pour si peu d'informations en fait. Il y a des trucs derrière les cailloux? Non. Non, il y a un truc ici visiblement. Il y a un interrupteur caché dans la neige. Clic. Oh. Oh oh. Oh oh oh! Y a pas de bruit en fait, c'est pour ça que c'est perturbant, mais merci petite carte! Ça fait plaisir. Là, y a rien du tout. Et là, y a un truc étrange. Oh my god! Oh my god! C'est des bourreaux chiens! C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Cette odeur, je la sens vraiment pas. Oh my god! 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 Je peux bouger ou pas? Je peux pas bouger. Voilà une odeur bien étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi. Oh my god. Oh my... C'est le fameux mariage de chien. J'essaye de comprendre ce qu'ils font en fait avec leur corps parce que ça ressemble à rien. C'est très perturbant en fait, on dirait un drôle de Pokémon. Épargné ? Touche à mon dog! Il parle de moi. D'accord. What? What? Je me suis fait... Oh, ça forme un cœur, les chiens, c'est trop mignon. Les chiens s'entraînent pour le prochain concours de couple. D'accord. Du coup, si on est gentil... Canis... Canis Bell. Cannibelle. Canis, ça doit être l'homme. Cannibelle, c'est madame. Ressentir. Les chiens vous reniflent à nouveau, mais vous sentez toujours aussi bizarre. Mais quelle est cette odeur? Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, je l'avais retenu, le bleu, faut juste pas bouger, j'ai bougé dans le bleu. Les chiens s'échangent des mièvreries entre... oh la vache, mais c'est un truc de chien ça. Je roule. Vous roulez dans la neige et la boue. Vous sentez comme un chiot, mais bizarre. Ah oui, c'est ça, il faut que je change mon odeur en fait. Vis. Oula. Oulala. Oulala. Tant de panique. Ok. Si on bouge pas, ça passe. C'est presque passé. Dommage. Peut-être que les chiens devraient vous sentir à nouveau. Ok. Je roule. Vous vous roulez dans la neige à bout. Vous sentez comme un chiot, mais étrange. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse avec Canis. Oh my god. Oh my god. Comment t'esquives ce truc en fait? À part en restant en dessous, par contre je commence à paniquer niveau vie donc c'est pas ouf du tout. On va essayer avec Canis. On roule! Vous vous roulez dans la neige et la boue! Vous sentez comme un chiot, mais étrange. Pas de touche à mon dog! Il parle de moi. On va essayer. C'est pas. C'est
pas flou comme technique en fait. De la cidre, non merci. Un bâton. Je sais que je veux un bâton. Vous lancez le bâton. Les chiots s'élancent pour l'attraper. Vous jouez pendant un moment. Bâton des queues d'humains. Quoi? Bâton des queues du. Ah d'accord, c'était un jeu de mots. Ok, don't panic. Don't panic. Don't panic, don't panic. Tous les chiens adorent jouer. Bah, va chercher. Ok. Ok. Attends. Et Barney. Victoire. Vous obtenez 0 points d'XP, 40 PO. Trop bien. J'ai dit que j'allais essayer de tuer des monstres, jeunes gens. Mais les monstres que je peux sauver, j'évite de les tuer. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça veut pas dire que je le ferai avec tout le monde. Mais eux, ils avaient l'air gentils, c'est pour ça. Les étranges odeurs apportent de bonnes choses. Le jeu du bâton. Merci, étrange odeur. Ravi d'être bâton. D'être bâtombé sur toi. J'applaudis la prestation des jeux de mots. C'est balèze quand même, parce qu'on m'avait dit que la traduction des jeux de mots, des petites blagues qu'on trouvait par ici par là en anglais était pas mal, et que du coup en français ça rendrait sûrement moins bien. Bah franchement, chapeau à l'équipe d'Undertale FR parce que ça rend pas si mal en fait. C'est pour ça. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, bonjour, bonsoir. Transformez tous les X en O, puis appuyez sur le bouton. Et si j'appuie avant? Ok. Quoi? Comment as-tu évité mon piège? Et le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? Tout manger, pas toucher. Ah, quand il en reste pour moi, d'accord, il parlait des spaghettis, ok. Oh là là, Kazma, réveille-toi. J'ai pas touché aux spaghettis en fait, je pouvais tellement pas les manger, elles étaient congelées et le micro-ondes il marchait pas. Vraiment? Waouh! Tu es passé outre à la saveur de mes pâtes maison, juste pour pouvoir les partager avec moi? N'aie crainte, humain. Moi, chef cuistot Papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Du coup, il faut quand même que je... D'accord, autant pour moi, attendez. Voilà, ça me grattait l'œil, alors attends. Ok, pourquoi pas. Ça s'ouvre ou pas? Ça s'ouvre, ok. C'était tout bête. Je panique. Je tape une esquive. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans mec cool comme moi pour prendre soin de lui. D'accord. Donc, on n'est plus ennemis. On est devenus soudainement amis. Ok, pour une raison que j'ignore. On n'a jamais été spécialement ennemis, en fait. C'est juste que c'est bizarre. D'un coup, en fait, il me parle de chaussettes. Tout va bien, visiblement. Oh, énigme. J'ai rien dit. Humain. Comment dire? Comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne, en modelant le piège d'après mon propre visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sens à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est... En fait, les noms devraient se démarquer du reste, parce que c'est un peu perturbant à lire. Donc du coup, s'il y a un mec qui m'écoute de chez Undertale FR, ce serait bien de... Pas spécialement y mettre en couleur en fait, mais peut-être de changer écriture ou de faire quelque chose pour que ce soit plus clinquant. Ce que je veux dire par là, c'est... Pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand Papyrus, je vais régler ce problème. Pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, attends quoi? N'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une esquive latérale sur le côté, d'accord. Et on est obligé. C'est nul. Attends. C'est nul comme énigme. J'ai pas pris le bon départ. Attends. Oh, c'est marrant ça. Oh, attends. Ça fait quoi si on met tout en triangle? Kazma est intéressé là. Et donc, ça a pas fonctionné. Ah, dommage, j'aimais bien l'idée. Alors, attends. Ça, puis ça. Tac. Oh.
C'était pas ça. C'était pas ça. Ça doit pas être compliqué en fait. Hein. C'est juste qu'il faut prendre le bon bout. Et le bon bout, le bon bout, le bon bout, le bambou, le bambou des familles. En fait, ce qui me stresse, c'est que ça. Je sens que ça devrait pas être comme ça. Tac. Là. Donc si je fais ça. Si je fais ça, c'est pas ça. Attends. Ça doit être plutôt un truc dans ce genre-là. Ah oui, mais... Si, ça peut passer. Si je fais ça... Voilà ! Nice ! Nice, nice, nice ! Énigme résolue ! Papyrus va pouvoir être fier de moi. Waouh, t'as réussi ! Et tout ça sans mon aide ! Incroyable ! Tu m'impressionnes ! Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Nya. Je suis intéressé. Je suis intéressé. J'adore les casse-têtes, les gens. C'est pour ça que là, je suis super heureux. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un jeu de casse-têtes. En fait, on fait pas souvent des jeux de casse-têtes. On devrait faire plus de jeux de casse-têtes. Si vous avez des jeux de casse-têtes, n'hésitez pas dans les commentaires. Et surtout, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Chapeau pour avoir résolu ça aussi vite. On en est à combien de temps? On en est à 24 minutes. Oh, on est bien. T'as même pas eu besoin de mon aide en plus. Ce qui m'arrange. Vu que j'adore flémarder. Très bien. Et il adore flémarder. Il l'a dit lui-même. Hey! Voilà l'humain! Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant docteur, les fils. Tu vois ces cases? Une fois l'interrupteur activé... C'est perturbant en fait, parce que de près ça fait super mal aux yeux. Elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner l'alarme. Ok. J'ai le okay, si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te font sentir bon. Oh, trop bien. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu vas te noyer. Tu peux te nager à travers si tu n'en as pas envie. Enfin, si tu en as envie, mais tu pourrais esquiver aussi. Si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Sérieux? Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors s'électrocuter. Les cases violettes sont toutes savonnées. Oh, bordel. Tu glisseras jusqu'à la case sud. En fait, il est en train de m'embrouiller. C'est le jeu qu'il veut, j'en suis sûr. Donc une couleur jaune et parfumée de citron, je crois. Non, c'était électrocuté, je sais plus. Ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur celle autant de fois que tu veux. Alors, tu as tout compris? Avez-vous compris les explications? Seulement la moitié. Ok. Je vais donc me répéter. Les cases rouges sont infranchissables. Les cases... Ah d'accord, en fait il répète son monologue. Je m'attendais à un truc nouveau. Les cases vertes sont remplies. Ah, j'ai cru qu'il y avait de la nouveauté, j'ai cru que c'était différent. Ne marche pas sur les vertes, les cases marrons sont... Attends. Ah mais c'est bien ce que je me disais, il y a des nouvelles cases. Attends, mais il n'y a pas de cases marrons. Les cases violettes sentent le citron. Pourquoi c'est pas les jaunes qui sont citronnés? Minute. J'ai inversé le bleu et le vert. Mais tu sais bien qu'il avait inversé le bleu et le vert. Les caisses bleues sont celles remplies d'eau. Les roses... Je ne m'en souviens plus. Un instant. Celles-là ne font rien. Ok, c'est mieux maintenant. Avez-vous compris les explications? Pas vraiment, non? Ok, tu sais quoi? Et si je te laissais faire ce casse-crâne de ton côté? Je vais laisser le manuel ici, pour que tu le lises. Et quand tu auras compris, tu pourras l'activer. Et le faire à ton rythme. Bonne chance. Attends une minute. C'est pas ce que je pensais. En fait, il a désactivé le piège. Du coup, je peux choisir de le... Ok. Bah écoute, je veux dire que les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal, mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Il faudrait peut-être les cuire, par contre. Je parie qu'à Sorik me dit si l'année prochaine, ce sera même comestible. Ok. C'est écrit en pâte de mouche illisible. Ok. La machine ne fonctionne pas. C'est l'histoire d'un Kazma déçu. Kazma qui voulait faire cette énigme, qui voulait au moins essayer... Il y a un chien qui se cache ici. Il y a des habitants. On commence à voir la civilisation. Il y a une boîte d'amal raisin sec à l'intérieur. Des raisins furieux!
préférence, même tu sais. Il y a une boîte d'amal raisin sec à l'intérieur, très bien. Bonjour le chien fixe d'un regard vide, il attend que ça devienne de l'art. Le chien le fixe d'un regard vide, il attend que ça devienne de l'art. Bon. Eh ben écoutez, jeunes gens, de toute manière, on va s'arrêter ici, puisque on a pas mal avancé, en fait, dans cet épisode 4, plus que dans l'épisode 3. Je vous fais de gros bisous, c'était Sean Kazma, l'exploratrice, portez-vous bien, et à la prochaine, bisous bisous.